there's that damn fourth Chaos Emerald. Look at that! It's Eggman's theme park! He made it out of the rings he's taken from around the world. I've got to get those rings back. A Chaos Emerald. Ah, si c'est ton jour de chance, Shadow, il va falloir faire un petit peu de loterie. Attends, qu'est-ce que je dois faire, moi? Ah oui, les rings, ok, oui, il faut que je récupère des rings. Je sais pas si j'ai déjà fait cette mission. Oui, juste, les ennemis, c'est des robots d'Eggman et des guns. Donc, ça, c'est du Eggman. Non, c'est pas du tout du Eggman. Ça, c'est du Eggman, voilà. Donc, je peux casser les caisses avec les grosses têtes d'Eggman. Tace, il va jouer avec nous. Ah, il va nous accompagner, plutôt. Et du coup, ouais, je vais me concentrer à pas perdre les rings. Bon, même si les rings ici, ça se perd pas. Enfin, ça se perd par dizaines, donc ça, franchement, ça va. Encore heureux. Et en plus, je peux les récupérer autour de moi. Si je dis pas de conneries. Donc, ouais, ça, c'est pas trop la merde. Oh, chouette. Je sais pas comment il faut faire. Je crois qu'il faut avoir une bonne vitesse de pointe pour atteindre. Oula. Pour atteindre cet endroit. Ouais, on va essayer de pas se faire toucher, notamment par lui. Putain de merde, non c'est bon. Parce que je... Il m'a déjà eu pas mal de fois, je me souviens. Et du coup je disais, voilà, on va faire la transition. Je parlais du film Sonic, enfin sa bande-annonce, et je disais que oui, ça n'a pas empêché de Shadow d'avoir une moto dans le film. Et c'est vrai que, du coup, pour en venir au trailer... Alors j'avais peur, ma crainte c'était que... le film soit beaucoup trop proche d'Adventure 2 parce que c'est ce que semble vouloir tout le monde et ça me semble un peu trop facile. Vous voyez, je veux vraiment une histoire originale. Enfin originale, mais ça peut faire beaucoup de références. Hein. En fait, je voulais qu'il y ait un juste milieu entre une nouvelle histoire et des refs à Adventure 2. Et donc j'avais peur que le film se repose beaucoup trop sur l'histoire d'Adventure 2 et qu'au final bah, ce soit presque un copier-coller. Eh ben en fait j'ai peur du contraire maintenant. J'ai peur que justement le film se détache un petit peu trop de ce qui a été fait dans les jeux parce que je vous avoue que dans le trailer j'aurais bien voulu voir l'arc. Merde. Ok non, j'ai perdu quelques rings. J'aurais bien voulu voir l'arc et Gérald Robotnik est vivant. Je rappelle que Gérald Robotnik a été assassiné par les militaires à cause de ce qu'il a créé. Je vais peut-être pas dire trop de choses pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Je pourrais indirectement spoiler le film en fait. Vu que ça reste en grosse partie inspiré, en tout cas il y a les personnages et ça c'est excellent. En particulier pour le personnage de Maria qui est une très bonne surprise. Enfin, je l'avais aperçu, mais le fait de le voir c'est chouette. Dans le trailer, on voit que la partie sombre de l'histoire de Shadow n'est pas mise de côté et ça c'est vraiment excellent. Parce que tout le personnage vient de là en fait. Donc ça aurait été con de pas l'intégrer au film. Si on voulait... Et justement, en parlant de Shadow... Bon, il faut pas que je tire sur les trucs... putain, c'est pas assez rapide cette machine là. Est-ce que je fais des dégâts en fait? Je crois que je suis même pas censé tirer avec ce truc, c'est pas possible. Ok, si, c'est ce que je dois faire. Ça marche pas super bien. Ouais, 5 rings, c'est... Bah j'en ai obtenu... ouais, j'ai obtenu la même chose en traversant ce cercle. Pas fou. Et du coup, je disais... Non, attends, on va passer au-dessus, c'est mieux. Et là, je pense qu'il y a... Bon, il y a pas de robot d'Eggman, mais au moins, on est parmi les guns. C'est plus approprié. Ok, il y a une protection, c'est très bien. Et puis, c'est parfait. On en est à combien là d'ailleurs? Où est-ce qu'ils sont? Oui, ok, ils sont là. On en est à peu près à la moitié. Alors je vais vraiment pas en louper un seul. Hein. Je suis très minutieux. Et en même temps, je veux qu'on fasse vite. Ah, je disais du coup pour revenir à ce que je disais tout simplement. J'adore le Shadow du film. Alors autant, je vous avoue, Sonic dans les films, j'ai du mal. Pas que la voix d'ailleurs. Déjà la voix. C'est marrant, ça c'est des éléments de décor de Bullet Station, justement, j'en parlais dans l'épisode 1, du coup, je veux dire. Alors, ouais, du coup, Sonic dans les films, j'ai du mal. C'est pas le même Sonic, clairement.
Déjà la voix évidemment, je suis pas fan, hein, j'arrive pas à m'y faire, franchement je suis désolé, je veux pas faire mon vieux con de mauvaise foi, mais vraiment j'adhère pas, j'arrive pas. Alors autant on peut s'habituer tout ça, mais cette voix là j'arrive pas. Je trouve que ça retire un truc à ce Sonic, en fait, cette voix et tout, c'est tellement pas le même Sonic. Il suffit de regarder Sonic Prime et je trouve qu'il y a toute la différence. Alors même si le doublage de Sonic, j'ai l'impression qu'il a changé en français. Je vous avoue que je préfère sa VO, notamment dans Adventure 2, je trouve que la VO de Sonic est incroyable. Et je suis pas forcément le plus grand partisan d'Adventure 2, même si ça reste un de mes Sonic préférés. J'ai presque envie de dire que ça coule de source, mais bon. C'est le Sonic de mon enfance et tout, mais bref, c'est pas le sujet. Mais je trouve qu'en VF, c'était très chouette hein, quand j'ai découvert dans Sonic Génération quand j'étais petit, hein, c'était incroyable. Mais c'est vrai que je suis pas forcément le plus grand fan de la VF, notamment dans Sonic Forces. C'est à partir de Sonic Forces où j'ai trouvé que ça a commencé à faire un peu tâche. Mais c'est notamment à cause de l'écriture aussi, hein, parce que les scénaristes étaient vraiment pas ouf. D'ailleurs, c'est dommage parce que justement, en parlant de Sonic Forces, parce que je parlais tantôt du niveau Sunset 8 qui a été repris, le niveau dans la ville détruite. J'adore en fait l'ambiance de ce niveau et même l'ambiance générale de Sonic Forces, et je la trouve excellente. Un jeu qui aurait pu être tellement, tellement plus réussi, tellement plus abouti. Et c'est dommage parce que l'ambiance, les musiques et tout, je trouve qu'ils déchirent. Et oui, les musiques, vraiment, elles sont très bien. Commander, Comm Sector B3 are reporting that the black aliens have successfully been driven out of Westopolis. We've contained them in the forest, and they're completely cut off from the rest of their support. Well done, Captain. What about Shadow? Sir, we think Shadow escaped into the forest with the black aliens. Alert all field commanders in Sector B. I'm authorizing full use of all tactical weapons. I want both black aliens and Shadow stopped and buried. Failure is not an option. Yes, sir. It's over, Shadow. You'll finally be exposed and eradicated for the evil that you are. Ça fait bizarre de voir cette cinématique dans cet endroit, mais avec autre chose qui se dit, tout simplement. Parce qu'on n'a jamais fait ce niveau, et c'est un niveau qui est excellent, Deathscreen. C'est malheureusement, on le fait pas souvent, parce que il faut être extrémiste héros pour y arriver. Et la musique, qu'est-ce qu'elle déchire, la musique de ce niveau. Oh, c'est un énorme banger. C'est une de mes musiques de niveau préférées dans ce jeu, ça c'est sûr et certain. Les guns ont repoussé les aliens. Bah écoutez, on continue sur notre voie héroïque. Hein. J'ai pas envie de changer. Moi, je suis très bien en héros Shadow. D'ailleurs, mon Shadow préféré des jeux, je pense que c'est celui de Sonic 2006. Je trouve que c'est un Shadow qui a fini la voie de la rédemption, qui sait ce qu'il veut, qui est sûr de lui, qui se préoccupe pas de son passé, tout ça. C'est un Shadow qui avance en fait. Un Shadow, je dirais même consciencieux. Du coup, c'est mon Shadow préféré. Et mon Sonic préféré, je pense que c'est dans Adventure 2. Enfin, le charisme qu'a Sonic dans Adventure 2 par rapport à celui des films. Ah, je trouve que ça fait tâche. Quand vous voyez le Sonic des films, qui est fait pour les gosses et tout, et que vous voyez le Sonic d'Adventure 2, ah, c'est dommage. C'est tellement dommage. Parce que, ok, le Sonic des films, il s'adapte. À un public surtout enfantin qui est visé de prime abord, mais je trouve ça tellement décevant parce que Sonic Adventure 2 c'est un jeu tout public qui est fait aussi pour les enfants. J'ai découvert quand j'étais tout gamin, et c'est pas un Sonic qui va faire des proutes ou des choses comme ça quoi. Alors c'est bien d'avoir une refonte du personnage, je ne dis pas avoir la même chose, c'est comme j'avais dit pour merde, c'est des guns, putain, c'est pas du tout ce que je dois faire là. Je vais rester là-dessus, arrête de faire des bêtises. Je vais remettre mon objectif, voilà, très bien. Merde, putain, mais allez! Je disais donc que. Ah oui, c'est vrai qu'il y a rouge avec nous. J'avais presque oublié son existence, la pauvre. Je suis content parce que j'ai le réflexe de passer de héros à dark hein, maintenant avec la petite touche fléchée.
C'est beaucoup plus pratique. Encore merci pour ce conseil, Blaze d'ailleurs. Changement d'arme. Ou alors non, on va garder cette arme. Voilà, comme ça on n'aura pas de munitions. Je disais que ouais, le shadow des films, excellent. Je dirais même que c'est le meilleur shadow qu'il pouvait faire. C'est pas mon shadow préféré, mais voilà. J'aime tellement le shadow de Sonic 2006 avec son côté rédemption terminé et tout, qui passait à autre chose. Mais voilà, ça n'aurait pas été cohérent d'avoir un shadow comme ça dans les films. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur shadow qu'il pouvait faire avec la VF de Keanu Reeves. Putain, qu'est-ce qu'il est badass, bordel, j'adore. En plus, il est en moto et tout, ils ont pas épargné ce détail-là et je suis tellement content. Alors, le voir avec un gun, ce serait too much. Clairement, je pense pas que ça arrivera. On sait jamais. Franchement, on sait jamais. Peut-être qu'en éliminant un gun, il pourrait genre lui dérober une arme à un moment et puis je sais pas, utiliser la crosse pour l'attaquer, mais peut-être pas l'utiliser genre à son avantage. Mais il pourrait peut-être à un moment ramasser une et dégommer des guns avec, même juste comme arme physique, hein, pas forcément comme arme de poing où il faut tirer. Ce serait aussi cohérent, hein, mais ce serait génial et ce serait génial qu'il fasse ça, Shadow utilise une arme et que tout le monde se dise « Putain, il va le faire !» et que finalement, bah, il tire pas avec. Ce serait excellent. Je sais pas pourquoi, je sais que c'est pas complètement improbable. Shadow est sur une moto, donc... Et à quoi ça fait penser Shadow sur une moto? Ça fait penser à Shadow the Hedgehog. Ouais. Alors peut-être à Sonic 2006. Un Sonic qui est tout aussi sombre que Shadow the Hedgehog, je suis désolé. Ils sont tous les deux PJ12. Alors Shadow the Hedgehog a peut-être une ambiance beaucoup plus assumée dans le côté sombre. Mais Sonic 2006 a quand même un scénario sacrément... Bon, il est perché. Mais c'est mature, c'est très mature comme histoire. Donc rien que le fait qu'il fasse une référence à ces deux jeux, et même dans Shadow Generation, hein, qui ont beaucoup de références à Sonic 2006, j'ai l'impression, et à Shadow aussi. Et franchement, ça c'est pas pour me déplaire, hein, j'adore ces deux jeux. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il leur rend hommage, alors que pourtant c'est considéré presque comme les pires Sonic, et pourtant, qu'est-ce que je les aime, donc moi ça me fait plaisir. Parce que, ouais, les Sonic dont je suis pas le plus fan dans les 3D, bon, il y en a pas vraiment en fait. Hein. Je les aime un peu tous à leur façon, mais c'est vrai qu'il y a une période où. Ah, j'en avais un peu marre de Colors, je trouvais qu'il était surcoté. Bon, au final, j'adore Colors, hein, je suis accro à ce jeu, mais. Je trouvais que voilà. Il était surcoté, et même encore aujourd'hui, peut-être que je le trouve surcoté. Enfin, le fait d'avoir fait un remake et tout, alors je pense que c'est bien pour les next gen parce que c'est vrai qu'il n'était pas sorti sur les PS et tout. Donc c'était pas une mauvaise idée en soi. Mais je sais pas, moi je voyais plus genre un Sonic Heroes ou quoi qui avait pour moi plus de potentiel et qui était beaucoup plus vieux et qui méritait un vrai remake parce que là du coup, ouais, il n'y a pas de grosse différence. Surtout quand vous voyez la version Switch, et même à se demander si la version Switch est pas pire que la version Wii. Je crois que c'est même peut-être le cas, hein, d'ailleurs. Si je ne m'abuse. Bref, je parle de plein de choses à la fois. Ça n'a aucun sens et j'ai failli putain faire la course aux rings pour aller à la fin. Ok, il me manque 5 ennemis. Je vais devoir les chercher. Ouais, j'ai loupé une grosse partie du niveau. Hein. C'est pas ça quand même. Oh putain, ces trucs ridicules et Rikiki sont comptés comme des ennemis à part entière. Oh, fait chier. Ok, 10 minutes 29, je retiens. I won't let you get away with trying to invade this planet. Ah ouais, c'est pas ça. Having a little trouble with those gun agents, are we? What a pitiful bunch. What'd you say? We're not here to exterminate these poor creatures. On the contrary. What? What is he talking about? What are you saying? All will be revealed tomorrow.
tomorrow. Shadow, you should rest. You need to be ready for tomorrow's ritual. You scum! You're going down! J'adore ce Shadow Hero, comment il est nargue. Décidément, je pense que Shadow, je préfère quand il est héroïque, en fait. Je trouve que ça lui va très bien, en fait, ce côté sombre, mais un héros qui a une histoire douloureuse, un passé douloureux, qui a vécu une période de deuil, souffrance, comme le dit le trailer, d'ailleurs, mais qui, malgré tout, continue à avoir la lumière. Je trouve ça beau, c'est plus original qu'un héros qui a un passé difficile et qui, à cause de ça, est sombre. C'est plus kitsch, alors que Shadow, ce qui devient son évolution, est vraiment intéressante. Aïe. Ok, là j'ai du mal à savoir comment il faut faire exactement avec lui. J'ai un petit peu oublié. Je vais peut-être essayer d'avoir du score héros pour arrêter le temps. Ça pourrait être pratique, ça. Ah, j'ai pas vraiment de technique. Allez, on va faire ça. Oula. Oh oui, ok, c'est parce que je l'ai touché de moitié. Allez, mon pouvoir. Très bien. Ok, c'est bon. Je crois que ça va fonctionner comme ça. Oh oui, ça fonctionne très bien. Mais c'est toujours Black Bull, hein. Il est toujours aussi résistant, comme on peut le voir. Enfin, voilà. Heureusement que dans les films Sonic, Shadow va être là pour attraper le coup, parce qu'il m'a l'air vraiment prometteur. Avec sa putain de voix badass. J'adore sa voix en VS comme ça, elle est trop cool. Contrairement à celle de Sonic. Allez, petit rang. Au moins on termine sur une bonne note, c'est le cas de le dire. What's up, Shadow? Not you again. Nice to see you too. Looks like those black creatures are headed out to space. We're on our way to the Ark, so I guess that means we're going too. Ark. Come on, let's roll. Next stop, the Ark.